ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y ait des personnes qui s'intéressent aux sciences, autant des personnes averties, autant des personnes qui n'y connaissent rien du tout. Et c'était super, moi j'aime beaucoup la science, j'aime aussi beaucoup le système solaire. Jupiter, Mars, dans la Terre, la planète, le soleil, et tout. C'était surtout pour faire découvrir aux enfants, parce qu'on avait vu qu'il y avait des expériences, donc on s'est dit que ça pouvait être vachement intéressant pour eux. Le grand à l'école, il a commencé de parler des planètes, du système solaire, donc ça regroupe un peu ce qu'ils ont vu à l'école. Les petites expériences qui sont à leur portée, c'est très sympa pour comprendre un petit peu ce qui se passe et comprendre la science de manière ludique. Ce qui m'a intéressé, c'est un peu Saint-Michel d'Observatoire et aussi j'ai vu qu'il y avait la préhistoire et j'ai réussi à faire du feu. Moi, j'ai un parcours scientifique et je trouve que c'est intéressant de ramener les enfants à vivre la science, pas la prendre seulement comme dans une salle, mais plutôt la vivre, la toucher. Et c'est un endroit justement où il y a un niveau de connaissances très haut et un esprit de vulgarisation et de contact avec les gens qui est très intéressant. Ils se sont régalés. Les gens sont très intéressés puisque ça fait du bruit de la radio. Ça fait des bruits bizarres, donc les gens viennent écouter. Le public est très réactif, très participatif. Nous, on aime bien faire des ateliers où les gens doivent découvrir par eux-mêmes les collections à la fois botaniques et les collections ethnologiques avec tous les objets dont on dispose à Salagon. Moi, j'ai appris plein de choses, j'ai pas tout compris. Mais ouais, j'ai appris plein de choses et puis c'est sympa de partager ça en famille aussi. C'était sympa et que la science est importante et que faut se cultiver de par la science.